to your favorite modern world. Salut tout le monde! Oh, ne me jugez pas si hâtivement et ouvrez plutôt vos oreilles. Bon, d'accord, ce n'est pas un album de prog, encore moins de métal, c'est presque de la variétoche en fait. Mais voilà, j'adore Floor Jansen depuis qu'elle a poussé la chansonnette la première fois avec Arjen Lucassen. Je reconnais ma faiblesse. Mais je suis certain que plein de gros métalleux tatoués vont acheter l'album en cachette de leur chérie occupée à boire des fûts de bière. J'apprécie les belles voix capables de m'éblouir en studio comme en live. Et Floor est de cette trempe comme Marcella ou Anneke. D'ailleurs, si j'ai écouté le dernier Nightwish, c'était principalement pour la voix de Floor. Oui, j'en vois deux qui ricanent devant leur smartphone, là. Faites gaffe. Ça pourrait être mon album de l'année. Paragon est un petit album narcissique de 10 titres. Narcissique, car c'est Floor qui pose sur la pochette. Petit, car il ne dure que 35 minutes. Ça vous donne des morceaux format radio, entre le court 2 minutes 55 et le grand format de 3 minutes 49 secondes. Oui, j'exagère peut-être un peu en parlant de grand format. Tout ça est bien entendu furieusement commercial, faut quand même se l'avouer, mais c'est si bon. Paragon me fait penser au tout premier Evanescence avec Amélie, une voix fabuleuse au service d'une musique entre variété et métal. Ok. J'avoue que le troisième titre, Invincible, est un petit peu too much pour mon seuil de tolérance habituel. Me noyer dans la chantilly, ça passe crème. L'album offre toute une palette d'atmosphères de l'électro-soft Paragon au symphonique calme, en passant par l'acoustique Hope, sans oublier le trait 80s Invincible et un Come Full Cycle à la Barbara Streisand. Évidemment, Floor fait énormément à la réussite de cet album par ses performances vocales éblouissantes. Mais les compositions ne sont pas en reste, loin de là. Et si je ne devais retenir qu'un seul morceau, ce serait sans doute Storm ou Fire. Avant de recevoir le vinyle crème, ne pouvant patienter plus longtemps, j'ai commandé l'album sur iTunes. Oui, je sais, c'est mal. Floor Jansen possède bien un compte Bandcamp, mais hélas, Paragon ne figure pas dessus. Sans doute encore une bataille de distribution et de droits à la con chez les majors. Toujours est-il que Paragon passe en boucle à la maison en attendant de recevoir la galette, mais j'avoue que l'enthousiasme débordant du début s'est tout de même un peu émoussé au fil des écoutes. Cependant, ami esthète, prenez peur. Car Paragon figurera probablement dans mon top 2023 et j'attends le vinyle avec impatience. J'espère toutefois que pour son prochain album solo, Floor prendra un petit peu plus de risques, histoire de nous éblouir tous et toutes. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous invite fortement à écouter cet album sans préjugés et à commenter cette vidéo si vous avez quelque chose à dire. À la semaine prochaine. Bisous.